1995. Le Québec et le Canada sont à la croisée des chemins. Rester ou partir, c'est aux Québécois de décider pour la deuxième fois depuis le référendum de 1980. CEPAC était en direct pour cet événement historique. C'est quoi tes impressions sur le débat référendaire actuel? Je trouve que c'est pas mal niaiseux puis c'est un gros gaspillage d'argent. Moi, je vote non. Si la tendance se maintient, on a des bonnes chances que le oui l'emporte. La campagne référendaire divise le Québec comme jamais auparavant. À Ottawa, le principal porte-parole du camp du oui est le chef de l'opposition à la Chambre des communes, Lucien Bouchard, en appui au premier ministre du Québec, Jacques Parizeau. Le premier ministre du Canada, Jean Chrétien, s'impose de son côté comme l'un des leaders du camp du non, en plus du chef du Parti progressiste conservateur du Canada, Jean Charest, et du chef du Parti libéral du Québec, Daniel Johnson. Pendant la campagne, le camp du non mobilise des avions et des autobus pour envoyer des milliers de Canadiens d'autres provinces à Montréal pour démontrer leur appui au non et leur amour pour le Québec. Je trouve que c'est quand même un beau signe de la part des gens de nous dire qu'ils nous aiment. Je respecte ça totalement, mais je crois que tout ça est gonflé. Le 30 octobre 1995, c'est le moment de choisir. Près de 5 millions de Québécois se rendent aux urnes, avec un taux record de participation de près de 94 % Le non l'emporte finalement avec 50,58 % du vote. Les divisions ne sont jamais faciles. Elles ne sont jamais sans douleur. Mais nous pouvons en sortir plus fort. Jamais la victoire du oui ne nous était apparue aussi proche que ce jour dernier. Mais, chers amis, reconnaissons que la démocratie a parlé. L'écart entre le oui et le non a été de moins de 55 000 voix. Votre référence depuis 30 ans, CEPAC.